L'Italie a participé à tous les championnats du monde depuis le premier tournoi en 1987, mais elle n'a jamais réussi à sortir de la phase de poule. Meilleur résultat en 2003 et en 2007, où elle avait réussi à gagner deux matchs en phase de poule. C'est Thomas Longard qui est à mes côtés. Un beau match de rugby en perspective, mon cher Thomas. Oui, tout à fait, ça promet d'être du beau rugby. Le terrain est excellent, la pelouse est en bon état. Les deux équipes vont être enthousiastes, ce devrait être une grande partie de rugby. Le décor est planté, c'est un match qui fait saliver. On attend maintenant que l'arbitre siffle le début du match. C'est parti, le match commence. Coup d'envoi bien capté. Oh, quel plaquage! Un peu plus et c'était les urgences. Bien joué la récupération. La récupération du ballon est commencée. Il est tout près de la ligne. Il y est presque, c'est la ligne d'essai. Allez, on n'est pas sûr que l'essai ait été marqué. On va demander l'avis à l'arbitre vidéo. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Décision rendue, l'essai est validé. Pour ce coup de pied. Et ce sont deux points supplémentaires. Joli, très bon coup de pied. Bah, c'était vraiment bien joué. Ouais, ils vont être contents. Et le match qui reprend. Coup d'envoi réceptionné. Et ils obtiennent la pénalité. Il a été percuté par une bête, écrasé par un bras. L'arbitre va-t-il mettre la main à la poche? Et ils choisissent de chercher la touche. Et un coup de pied qui trouve la touche. Et c'est une touche. Le deuxième ligne avantage. S'empare de ce ballon. Et c'est un en avant. L'arbitre laisse l'avantage. Il a suffisamment dit l'attention et le ballon est parti en avant. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son lâché. Coup. Et c'est une pénalité. Il a gardé le ballon et ils obtiennent la pénalité. Il va falloir qu'ils améliorent ça, Eric. Alors, ils vont tenter les trois points, mais il me semble que c'est presque hors de portée. Coup de pied joliment tapé. Ils sont vraiment en position de faire tourner ce match à leur avantage après ces points. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi bien réceptionné. Et l'équipe d'Italie semble avoir conservé ce ballon. Le numéro 9 fait une passe. Oh, quel plaquage! Un peu plus et c'était les urgences. Bon ballon de récupération. Leurs efforts sont bien récompensés. C'est une pénalité. Ouais, c'est un plaquage loin avec un coup au manteau. Carton jaune n'est pas loin pour certains. Il cherche à être réaliste en tentant ce coup de pied. Le numéro 15 réussit cette pénalité. Retour à l'instant du jour exclu, Eric. Ses coéquipiers vont être contents de le revoir. C'est reparti. Coup d'envoi récupéré. Il décide de jouer la pénalité à la main. Face à son coéquipier en soutien. Le centre fait la passe. Jolie petite passe. Il trouve l'intervalle. Ils veulent la jouer à la main. C'est une pénalité. Jouer rapidement.
Drouet qui le rafute. Drouet en puissance. Ballon toujours disponible pour les attaquants. Passe le ballon. Ficou trouve du soutien. Oh, approché. Et pénalité. Il a tendu le bras, il l'a pris trop haut. L'arbitre ne va pas le sanctionner outre mesure. Il se contente juste d'une pénalité. Il est sympa, pas de carton. Ah, il faut qu'il soit plus discipliné. Il concède beaucoup trop de pénalités. Pénalité qui leur permet donc de prendre un avantage confortable. Bon résultat pour un bon jeu. Ils ont une bonne avance maintenant. C'est reparti. Coup d'envoi bien capté. Belle interception. Monsieur sait se servir de ses mains. Il assure la passe. Attention à la passe. Percussion en puissance. Ah, on dirait bien qu'il y a un blessé. Le choc a été rude. Là, il a dû se blesser. Flexion. Mêlée. Jeu. Dupont introduit le ballon. La balle est sortie. L'ailier droit. Oh, la belle accélération. Lâché. L'arbitre nécessite de lâcher le ballon. Dupont le libère. Le numéro 6 charge. Bien structuré pour un groupé pénétrant. Et il gagne du terrain grâce à ce maul. Bien calé dans les mains. Ah, c'est une jolie passe. Atouri avance avec le ballon. Le centre qui perce. Ils vont marquer sur cette action. Et il aplatit l'essai. Ils ont de beaux enchaînements. C'est un bon résultat. S'est ouvert dès qu'il a commencé à courir. On aurait dit que tout avait été organisé à l'avance. Transformation qui ne devrait pas tarder. Pas simple d'aller chercher ces deux points le long de la ligne de touche. Et il a réussi la transformation. Ouais, il a une très bonne frappe. Ah, il domine vraiment ce match, les amis. Il est court. Coup d'envoi récupéré. En percussion sur la défense. L'équipe de France. Bon contest. Dupont pour un joueur lancé. L'ailier droit avec un bon refus. L'équipe de France contrôle ce ballon. Le passe à un joueur lancé. Il fait la passe. Le demi d'ouverture qui a réussi à prendre cet intervalle. L'équipe de France n'a toujours pas perdu le ballon, on dirait. Une percussion puissante. Le ballon est contesté. Dupont trouve du soutien. Il a pris le trou. Une belle, une longue percée. Grosse occasion d'essai. Il fait la passe. Il va s'écrouler sur la ligne. Et c'est un essai entre les poteaux. Jusqu'à maintenant, il domine la partie. Le tableau de score est très bien. Transformation dans quelques secondes. Coup de pied pile poil devant les poteaux. Il frappe et se retourne. Il sait que c'est entre les perches. Il a été plutôt bon sur les coups de pied par Eric. Et il est comme une partout, une vraie raclée. Avantage plutôt important pour eux dans cette partie maintenant. L'équipe de France a été l'équipe la plus dangereuse et mérite largement de mener à la mi-temps. L'équipe de France a dominé la première mi-temps. Jusque-là, c'est un peu brouillon, Thomas. Monsieur l'arbitre est prêt. La seconde mi-temps va démarrer d'un instant à l'autre. Coup d'envoi bien réceptionné. Superbe interception pour sécuriser le ballon. Le numéro 7 le ramasse. La charge. Lâché. Le requis formé doit relâcher le ballon.
Dupont le récupère. Quel plaquage! Un peu plus et c'était les urgences. Le ballon disponible. L'ailier gauche avec un bon jaillissement. Et une pénalité. Un plaquage au haut, hein. Ce genre de comportement, c'est tout à fait inexcusable. L'équipe de France cherche à ajouter 3 points au tableau d'affichage. Ballon expédié entre les poteaux malgré l'angle, très beaucoup de pieds. Belle construction, bien joué. Une avance confortable désormais. Et le match qui reprend. Coup d'envoi réceptionné. Bonne interception malgré la pression. Il faut savoir garder son sang-froid dans ce genre de situation. Lâché. Et il s'en est très très bien sorti. Et donc voici une pénalité. Il vaut mieux que ça. Et ça, ça coûte une pénalité à son équipe. Et il préfère taper en touche. C'est donc une touche. Quel coup de pied! Ballon qui peut être récupéré. Récupéré. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Pas assez rapide le soutien dans le rug, ballon perdu. Le pressing est bon et la récupération du ballon arrive. L'équipe de France va pouvoir essayer de se relancer. Il attaque la ligne. L'ailier gauche qui a un peu d'espace devant lui. Il y est presque. La défense est maintenant mise sous pression. Il essaie de le récupérer au contest. Le troisième avantage. Ligne la joue vers l'arrière. Ballon perdu, en avant. Ils peuvent jouer l'avantage. C'est mal entraillé, ça c'est fini avec un énorme. Lâché. Rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Fait circuler ce ballon. L'action n'a pas abouti, on revient à la mêlée. Première mêlée l'action de cette partie. Ils vont devoir fournir d'énormes efforts pour remporter cette mêlée défensive. Je. Voilà, quel affrontement en mêlée. L'arbitre dit que le ballon est jouable. S'ils tiennent bon sur cette action, ils auront marqué des points. Il transmet le ballon. On est tout près d'un but. Quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Il a récupéré le ballon. Et ils prennent leur temps sur cette action. Le numéro 7 fait circuler le ballon. La passe qui ne trouve personne. Ils vont marquer sur cette action. Je crois qu'ils l'ont toujours. Il y a quelque chose à faire ici, sans doute des points à grappiller. Toujours en possession du ballon, je crois. Dupont ramasse le ballon. Le numéro 13 a du mal à se dépêtrer de la défense. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. Le ballon est contesté. Ils l'ont récupéré. Très bon grattage. Et c'est une pénalité. Pas de chance sur ce coup-là. Il a pris à peine un peu trop haut et il écope une pénalité. Non, mais l'arbitre a eu raison, il n'avait pas le droit de faire ça. C'est une pénalité qu'ils vont jouer à la main. Belle avancée, ils y sont presque. L'équipe de France, il essaie de le récupérer au contest. Jolie passe pour son soutien. C'est un essai tout fait. Et il plante son deuxième essai du match. Ouais, c'était un essai remarquable. Ce stade de la partie, ils ont fait une avance confortable. Suivre cette transformation.
La transformation est réussie. C'est allé droit dedans. Tire parfait. Là, il pourrait l'emporter au long. Allez, bientôt la reprise. C'est un ballon perdu. Ballon perdu, mais toujours là. Ils ont un peu de chance sur ce coup-là. Lem, le cap. Et ils essaient de progresser avec ce groupé pénétrant. Dupont s'empare de nouveau du ballon. L'ailier droit fait une bonne passe. Le numéro 10 qui se lance dans une accélération. Et il va pouvoir tenter la pénalité. J'ai l'impression qu'il était où est l'arbitre aussi apparemment. Va-t-il s'en sortir avec un simple avertissement? Plus que quelques minutes avant la fin du match. Ils veulent donc jouer cette pénalité à la main. Dupont prend le ballon. Le pilier droit la remet vers l'arrière. Il a pris l'intervalle. On dirait qu'ils vont jouer la pénalité à la main. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Ce sont les dernières actions du match. Bon contest. Dupont ramasse le ballon. Il envoie cette passe à hauteur. Le numéro 11 qui accélère. Et il plante son deuxième essai du match. Il y a une belle construction. J'ai aimé la façon dont ils se sont comportés. Oh, quel essai. Incroyable. Magnifique. Il nous a dévoilé toute l'étendue de ses capacités durant ce match. Ah, on peut voir sa vitesse ici. C'est remarquable. Personne n'a pu l'arrêter. C'est une formidable passe qui lui a permis de réaliser cela. Il se prépare pour la transformation. Un peu excentré, mais ça ne devrait pas trop le gêner. Et la transformation est réussie. C'est allé droit dedans. Tire parfait. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. L'équipe de France a bien terminé. Ce match était assez intéressant. Il remporte aisément la rencontre. Les pénalités concédées ont posé de gros soucis. Le manque de discipline peut être observé d'après ces chiffres. Il y a eu un nombre assez important de coups de pied dans ce match. C'était vraiment un combat de gagne terrain à l'ancienne. L'équipe de France a dominé ce match de bout en bout sans jamais sembler être en danger. De la part de tout le monde ici, l'équipe technique, les commentateurs, merci de votre fidélité. À bientôt.